Voilà, nous voilà pour cette troisième partie sur Traversée des Bois du tournoi 2v2 organisé par Gromatou, Psimon et Victor Reznov. Donc ça va opposer Gromatou et Psimon contre Panchou et Noobix. C'est la troisième partie de la grande finale. Et je suis accompagné de Petit Teuteux. Bonjour, et pour l'instant il y a 2-1 pour les montagnards, donc Panchou et Noobibix. Et voilà. Et c'est un Exactement. BO5, on l'appelle. Ouais. Voilà. Je suis paré. Je t'attends. Tu dis-moi quand t'es à 5 Je secondes. charge, je charge. J'ai lancé le chargement. Donc là, effectivement, c'est une partie décisive. Car, comme tu l'as dit juste avant, ils mènent 2 à 1. Donc si Pancho et Nubix gagnent cette partie, ils gagnent finalement ce BO5. C'est ça. Donc là, ça va être le Hop. combat à mort. C'est ça. Sans merci, Donc. sans pitié. Ils vont tout donner. Je suis à 5 secondes. Yes. Et du coup, je t'attends. Yes, je J'attends ton fais coup le magnifique. décompte. Hop. Nickel, nickel. Alors, faut juste que je me rappelle vu que j'ai mis des raccourcis. Faut que j'ai pas encore les automatismes des raccourcis. Tu peux pas cliquer. Non, non, si c'est bon, c'est juste qu'il faut que je me rappelle. J'étais en train de me dire dans ma tête, alors c'est quoi la touche que j'ai mis pour play pause? Et là, c'est bon, c'est revenu. Alors, je fais une seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. 8, 9. Voilà. Donc, on est, comme tu l'as dit, sur la troisième partie. Donc, nouvelle carte. Vu que là, c'est une carte différente de la partie 1 et 2. Donc, traversée des bois. Et Psimon et Gromatou qui sont alliés avec Gromatou en Brit et Psimon en Soviet. Donc la même composition qu'avant pour la partie alliée. Je te laisse faire la présentation de l'axe. Et du coup, en axe, on a Pancho et Noobivix. Encore pareil que la partie d'avant. Noobivix qui n'a pas changé ses commandants et Pancho non plus. Et juste, je crois qu'il a pris stratégie mécanisée allemande. Yes. Même composition UFH. d'armée que la partie juste avant, du coup. Ben, je sais pas du tout qui c'est qui a gagné au tirage. Mais. Effectivement, c'est la personne qui gagne le tirage qui choisit sa faction, parce que les maps sont déjà choisies à l'avance. Oui, c'est ça. Du coup, Simon qui a fait un T1, premier affrontement de Noobibix, qui s'est faufilé à droite de la maison, lui permettant de venir directement au corps à corps les sections brites, Gromatou. Yes, Gromatou qui Là, perd de pas de temps, voir. qui replie directement son unité car Ah il sait ouais, il qu'il peut pas gagner le faut. combat. La Il petite va replier sa modification. deuxième. Ouais, la deuxième va être repliée. Petite modification aussi sur la carte par avant le chemin de repli qu'il y avait ici, avant c'était fermé. On était obligé de faire tout le tour. Ah, Donc ça avait été c'était ajouté. chiant, hein. Je suis tombé là, en face du Sturm. Et ça a été fait la même chose, la même modification a été faite ici, sur l'autre côté de la carte. Une nouvelle Pour que ce unité de soit grenadiers est symétrique. prête. Ouais, je vois. Et on peut passer d'ailleurs, on peut passer même à droite, derrière les bûches, on peut passer aussi à gauche, derrière l'arbre. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et du coup, Opsimon qui met des barbelés au mid pour bloquer le mid. Toujours ça de pris. Et il Il fait va pas une pouvoir les finir par squeaker contre. aussi. Alors qu'on a quoi comme départ de Psimon? Deux bâtiments disciplinaires, la petite clown car, gros matou, trois tomises, une MG. On a quoi? Noobix, deux Vox, le Sturm. Et après on a Pancho avec deux grenadiers, une MG. Et là, Noobibix qui gère beaucoup ses fights, hein. Voilà, c'est dangereux. Une petite Voilà. tomise.
Non, il a plus la Gère vue. énormément ses fights, son Shtomp qui a pas backé depuis le début de la game, il a fait back 4 sections. Ouais. Par contre, là, ouais, Donc. effectivement, là, il faut qu'il maîtrise, être sûr de maîtriser son chemin de repli, parce que là, il est pas bien sinon. Ah Mais là, oui, effectivement, il n'y a carrément, rien. mais il a super bien géré ses premiers affrontements. Et du coup, la Scout Car qui est revenue. Avec le lance-flamme. Ok, j'ai le lance-flamme. Est-ce qu'il va vouloir rusher? Je sais pas. Quitte à se prendre un Panzerfaust, des fois, si tu peux, ça peut te permettre de finir l'unité. Nubibix qui a pris le tigre et qui fait un P-Fuse. Voyant peut-être la Scout Car, il s'est dit qu'il avait besoin de Panzerfaust. Voyant aussi le Bren. Enfin, il n'a pas encore vu le Bren, mais. Il vient tout juste de replier C'est un mentaliste. son pionnière. Et du coup, le Panzer Fusilier qui arrive au timing parfait. Et il prend quartier général régiment mécanisé, donc qui pourra réparer les véhicules avec Puma, Stuka et Luch, Et c'est ça? Loot. En tout cas, c'est à côté de Simon, il n'a pas encore pu prendre des points. C'est assez la map un peu coupée en deux, sauf que les alliés, effectivement, n'ont Et pas ouais. leur essence. Ouais, ils sont en plus 36 l'axe, donc ça peut être très très dangereux, hein. Un T2 avec plus 36 de fuel, ça Incartable. fait un loot à 5 minutes. Oh Hein. là là, la MG qui était perdue. Il a réussi son boost. Il y a Grand Matou qui l'accompagne pour Ouais, pouvoir. Gromatou qui arrive pour essayer de wipe la petite section de grenadier. Oh là là, il y a tout qui arrive là, l'Universal Carrier. Je sais pas, par contre, il a pas l'air d'avancer pour pouvoir tirer Et sur le Faust qui a mon allié. bugué, ça fait plaisir. Merci les leaks. Ah, Mais c'est bon, peut-être il a pas perdu dommage. sa sécurité, c'est déjà Il a ça. préféré éviter le fausse que finir l'unité alors qu'il avait peut-être tout pour pouvoir. Il avait de quoi réparer, je pense, après. Mais en tout cas, quitte à pas prendre les alliés, quitte à pas prendre leur essence, ils prennent celle de l'axe. Et nous, Bibix qui revient, m'empêche à aider Pancho pour reprendre le mid. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il avait un peu hésité à se mettre sur le chemin de repli, justement. Ah mais les sections back vite ils sont passés à mocher pour les wipes. Surtout que l'Universal Carrier a fait l'amélioration avec l'arme, du coup ça permet de coucher les troupes. Bibix il peut faire un Looch ou un Puma et qui fait une mine au mid. Du coup ouais, ils jouent à deux là, Gros Matou et Simon, ça fait plaisir là. Ça fait mal aussi. Attention au Faust, le Faust Ouais, qui va partir. il se gêne sur On les espère véhicules. qu'il va partir celui-ci. Oui, il est parti. Le canon du char commandé est prêt. Et Gros Matou qui se fait grignoter son côté et qui construit un sac de sable au mid. Attention quand même aux Tomis là, ils vont peut-être. Construit son sac de sable bizarrement. En travers. Et du coup, il est coincé dans son sac de sable. Faut qu'il le saute. Mais bon. Il n'y arrive pas. Il est bloqué. Ouais, il est bloqué, il doit tirer Il dessus faut avec quelque chose. qu'il... Non, il peut pas là. En plus, avec son Universal Carrier, on ne peut pas détruire les sacs de sable, ou il Non, peut? il faut Non, il peut latter. pas. Il faut latter. Bon, bah... Plus le temps que tu t'en rendes compte, des fois, t'as juste à sauter le truc, mais là, je pense que c'est buggé. Ça aurait mérité un rematch, lol. Un pose qui part pas et des sections qui bug. Voilà, c'est à risque et péril hein, quand tu poses des sacs de sable ou Ouais, faut faire des attention. faut Moi, avant attention. de le finir, quand même, je bouge ma section. Section à droite qui va mourir de Gromatou là, attention, dans le feu. Ouais, ça va crever. Hein. Ouais. Et là, ouais, Gromatou du coup qui perd deux sections vu que sa section Ouais, était bloquée. ça c'est dur. Et du coup, Nubibix kill le wipe. Ouais, faudra faire attention parce que la section de l'ingénieur ça va se replier bien, mais je sais pas si elle va avoir eu le temps de passer derrière la maison. Et non. Lol. Flammers qui The blague. explose. Mais Simon qui se pose plus de questions, il se replie parce qu'il sait qu'il y a des choses qui l'attendent dans le chemin de repli. Ouais. Très bien joué, Nubibix, hein, ce petit flank. Puis il va réussir à récupérer la MG.
Et du coup, bah ouais, hein. Gros Matou qui a perdu ses deux sections, à mon avis, il devait pas être trop concentré à droite, il était concentré au mid. Du coup, ça pile la game. Un Ouais. peu. Ça Pancho fait qui nous très très fait, qui mal. a sorti la 2-2-2. Nubix qui à un moment voulait faire un Stuka, il a annulé. Je sais pas s'il veut Parce qu'il faire va faire un. un puma. Il va faire un Puma, Ou tu un penses? Luch. Ou un Luch, je pense. Il s'attend à T70, il veut faire peut-être le Puma, ouais, peut-être, je sais pas. Pas énormément de fuel. Après, ils ont ce qu'il faut, hein. Il y a un Raketen. Il y aura peut-être un AT de la part de Pancho. Et après, il veut peut-être pas risquer parce qu'un AEC ça peut sortir quand même assez vite. Hein. Fais Ouais. attention. Sans fuel, à 8 minutes, ça peut sortir quand même. Oh, Matou qui a choisi son commandant. Le même que la partie d'avant. Commando, Landmatres. Zéro personnalité. Comme d'hab. Prends le même commandant. Ah bah ça avait marché, écoute. Ah bah ouais. Hein. L'officier qui tire 2-3 balles par salve de Sten. Ouais. Ils sont timides sur la gâchette. Hein. Du coup, ouais, les alliés qui reprennent à droite avec l'aide de Psimon. Et les petits commandos en fufu. Capture est envahie. Deux qui passent sur la mine. Ah non, c'est une mine au cas. Ouais, ça faut quand même faire Du attention coup, parce ouais, que T70 qui est là. si Le tu te prends Psimon. ta propre mine, ça peut souvent arriver avec les tirs d'AT Une ou les section tirs de de recrues mortier. d'infanterie a été entraînée. Ouais, c'est sûr. Le 2-2 qui fait un peu la police au mid. Attention à la grenade à fusil. Il y a le T70 qui va. Du coup, ouais, c'est bon. Ils ont réussi à récupérer leur fuel. C'est pas Oh là mal. là, faut pas qu'il se prenne la mine. Oh là là. Ah, il prend un Ils risque en sont restant tombés près de la mine mid. là. Ils sont tous restent près de la mine. Ouais, il s'en est rendu compte, il a bougé. Le Rakaton qui se précipite sur le T70. Et ouais, Simon qui a refait des génies lance-flammes, du coup il a pas de démineur. Ah, Noubibix qui concentre ses sections sur le point de munition pour faire un assaut sur le fioul. Ah, Stuka qui avait été fait, Ouais, sûrement sur le et faire un repli. puma aussi. Oh, très très beau tir de Stuka, ça l'officier qui a vraiment un tout petit poil de cul de vie, mais ça a fait quand même énormément de dégâts. Ouais, Stuka Psimon s'était déjà replié, là Gromatou se replie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien Psimon sur qui fait un le. Pratiquement plus sniper. rien sur le front là. Qui refait un sniper. J'espère qu'il aura pas le même sort que Vladimir. Même s'il avait eu Notre close. génie prêt à l'action. Soldat du génie en Ouais, attente. du coup, Mbivix qui attaque en haut. Fiu. Et Nubix qui a fait aussi un puma. Ouais. Pour contrer le T70. Pancho qui fait un AT. Donc là, ils ont effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre T70 et éventuellement l'AEC de gros Un matou. canon PAC attend Le nos ordres. puma qui vient chasser l'infanterie. Faut pas Les ennemis sous-estimer le puma, hein. s'emparent de C'est, des notre fois territoire. ça peut faire mal, hein, le canon. Une game de tournoi où on a wipe un sniper avec un puma, ça va très vite. Hein. With the sniper now. Après le puma, c'est pas très très précis. Et du coup, ouais, Bibix qui a perdu ses jetons. Et qui a peut-être perdu sa section de Volsk à droite là. Ah. Ouh, il a passé en cover rouge. Mais bon, les commandos sont un peu timides. Et du coup, Sniper sniper qui back. qui allait se faire rush par le 70, puma, ouh, mais. ça fait très plaisir ça, hein. C'est Oh toujours des là là, le cadeaux de tir de chronique. puma. Je sais pas s'il va Ouais. vouloir s'avancer pour essayer de finir le Allez, T70. encore un Ça s'il tire te plaît, dedans. voilà. Il pleut. Encore un, hein, parce que là, 3 tirs. Jamais 203. Ah bah non, j'ai eu.
Après là c'est pas le souci, ce genre de souci, c'est pas ce souci de niveau du puma, c'est souci au niveau de la carte. Avec les variations au niveau de la hauteur. Du coup il y a... Y a pas de mine de Simon et Simon qui a rien pendant qu'il char, il a poil. C'est pour ça que la plupart des cartes jouées lors des tournois, il n'y a pas de. C'est des cartes où il n'y a pas de variation de hauteur. Pour éviter généralement ce genre de souci. Là, c'est compliqué. Au final, ça fait quand même partie du jeu. Oui, après, ça fait partie du jeu. Parce que sur cette map, on se rend pas compte, mais il y a quand même un dénivelé de l'autre côté. On s'en rend pas compte vu que c'est mal tourné, mais si on tourne la caméra, on s'en rend compte qu'il y a exactement le même dénivelé de l'autre côté. Tire de Shtuka. De Shtuka sur l'étoile, peut-être. Antonisque. Mais bon, les alliés qui ont réussi à conserver leur fuel quand même. Ouais, alors que là, franchement, c'est vrai que ça a commencé à être compliqué pour eux. Parce que là, il y a beaucoup de choses en face, hein. Pas mal d'artillerie, tout ce qu'il faut pour pouvoir contrer. Hein. Vu les chars, Simon fait son T2 et fait un lat. Il a pas voulu prendre de risque. Gromato qui a pas fait d'AEC, qui va directement sur Cromwell. Ah, c'est pas mal. Attention à la grenade qui est bien esquivée. Mais du coup, ouais, sur CH1, pour placer les bâtiments, c'était un peu la galère sur certaines maps. Sur le jeu, c'est un peu plus facile quand même. Sur CH1, tu passais quand même des fois 5 minutes à placer ton bâtiment. 5 minutes, peut-être pas. Non, non mais. Pierre de Puma, il fait super mal. Hein. Là, il a. Ouais, mais il a pas eu de mal, hein. Ce qui lui fait aucun dégât, donc il peut y aller, il peut pratiquement rester. Ça fait un peu de dégâts. Mais... Là, c'est pas très bien armé. C'est pas très bien. Et du coup, Pancho. Pancho qui va la mettre la pression à Simon quand même. Ouais, il y a 3 VP. 3 VP, ouais. Ouais, les grenadiers. Ils ont quand même un peu mal contre les Strafbat, mais ça va, ils sont en MG, donc voir. Et la tête de Gromatou qui est perdue à droite, qui va être détruit par le Puma. Ouais, ça c'est bien. Détruisent les armes au sol. Je sais pas si le Cromwell va vouloir poursuivre, non je pense pas. Il a aucune vue, aucune troupe pour l'accompagner. Au niveau des techs, Pancho, il peut bientôt faire un P4. Ouais. Et ouais. Simon il fait son P4. Côté Nubix, on fait un deuxième Raketen. Vu qu'il a vu Cromwell. L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés. Attention au 2-2-2 qui a pris un tir d'AP. L'ennemi a encore 300 points. Sur quoi? Ah, tiens, Shtuka. Oh le sniper! Le sniper! Oh là là! Vladimir 2 qui a eu de la chance. Le frère de Vladimir. Sur l'autre front. Il a appris les techniques de Kung Fu qui leur permettent. Ah, le bâton similaire, à mon avis, là, qui va pas s'en sortir. Et ouais. Sur le côté gauche. Ouais, le 2-2-2 qui. Est tombé du coup. Ouais, il était occupé effectivement à gérer l'assaut de Pancho sur les munitions et il a pas vu son bâtiment disciplinaire. Là, t'es à 17, combien là? 17-7. Ouais, j'ai un peu d'avance. Je suis à 15, c'est bon, à mon avis. Je suis à 19, 20, c'est bon, ça 21. Sent. Là, les alliés qui sont pris un. Ouais, Simon qui a perdu son snipe. Ça manque combien d'avancées, hein. La T qui va être détruite. Il a mis sur les grenadiers. Et le T-60. Du coup, il a fait des troupes de choc. Troupes de choc, COP. On rappelle. Et ben du coup, il a toujours pas taqué notre ami Nobibix.
Et non, Pancho qui a fait comme t'avais dit, qui a sorti un P4. Il va pouvoir l'amener au milieu pour empêcher de capturer la, le VP. Il n'y a qu'un Cromwell pour le contrer. Pas d'AT. Du coup, ouais, finalement, les deux AT qui ont été perdus et détruits par Nobix et Pancho. Ouais, détruits dès lors que l'AT a été décroue, le Puma l'a détruit à droite et je sais pas qu'est-ce qu'il a détruit à gauche, ça devait être le pack. Je crois que c'était le pack, ouais, effectivement. Le Stuka, je pense au chemin de repli, je sais pas comment il va vouloir lancer ça. Oh là là, non, oh voilà. Là, il a eu un wipe d'un bataillon disciplinaire. Ah, je sais pas s'il va avoir le. Très bien joué. Oh, la troupe de choc aussi qui est finie. Là, c'est dommage pour Simon, il perd énormément sur ce move. Ouais, cela c'est beaucoup de choses. Hein. Et là, il lui reste plus qu'un bataillon disciplinaire et deux ingénieurs. Ça va être compliqué là pour tenir. Il attrape le camouflage des troupes de choc est totalement dégueulasse. Il est au bise. Et du coup, ouais, Gomatsu qui blob au mid. Pas très bon dans le browser, tout ça. Et du coup, ouais, ils ont quand même leur fuel. Hein. Gomatsu, il tient le fuel. Avec un Tomiz. Mais vu ce qui arrive, ce qui va arriver là, je pense pas qu'il va tenir, qu'il va tenir grand chose bien longtemps là. Mais bon, il a refait le un Puma qui vient essayer de pousser la troupe de la couverture. À mon avis, Gromatou, il doit le sentir, le tigre, quand même. Avec son odorat sur Gromatou qui sort un AT. C'est, effectivement, il a senti que ça sentait les roussis côté véhicule. Le Puma qui rush au moment où les deux AT sortent. C'est pas de chance. Il va rush le Cromwell. Il y va. Ouais, de toute maintenant, là, c'est faut y aller. Hein. Donc, il a avancé. Il est dans la bergerie. Eh oui. Et c'est raté. C'est un risque, effectivement, à prendre si vous voulez finir le Cromwell. Ça va pas payer, mais des fois ça peut payer. Ouais. Après, un Puma, c'est toujours intéressant de le garder en late game, mais bon. Après, effectivement, eux, ils sont quand même bien en avance, donc c'était un risque, effectivement, de perdre. C'était pas très important pour lui. Et Pancho qui a toujours pas pris son commandant. De notre ravitaillement. Alors que Psimon a pris tactique d'armée de choc soviétique. Bien soviétique. Il a le mitraillage qui est disponible. Et du coup, Pancho qui fait la loi avec son P4. Ouais, les 3 et 3 VP qui sont à nouveau aux mains de l'Axe. L'essence aussi qui a été repris. Ça va être très compliqué, surtout au niveau des pop, hein. Il y a une nette différence. Enfin, ouais. Pas Gromatou, mais et Psimon, c'est un peu de mal niveau là. Il a perdu deux sections. Mais en fait, la game se joue peut-être au niveau du tir de Stuka. Hein. Unité prête. Grenade, attention sur le Raketon. Raketon qui va se faire des pop à mon avis. Ah, une troupe de Vox peut-être qui est mort, ouais. Et Raketon qui est mort. Donc ça peut faire du bien. Par contre, faut qu'il fasse attention à son repli, hein, parce que là il y a du monde. Hein. Fasse attention parce que là il y a, à mon avis, il devrait s'en sortir. Non, pas du tout. J'ai dit de la merde à mon avis. Oh. Et non. Oh non. Du coup, ce qui l'empêche de. Et du coup, ce qui l'empêche de prendre le Raketon. Hein. Et ouais, Simon qui claque son mitraillage. Par battre les AT. Du coup là, faut qu'il donne la visu à l'avion, parce que sinon il va pas tirer. Ressources, hein. Il pourrait sortir un éléphant, il pourrait sortir un tigre, il pourrait sortir un char de commandement. Il a pas beaucoup la vue l'avion là. L'avion qui s'est crashé. Bon, allez. Ouais, est-ce qu'il y a le T4 qui a été. Qui a été tes compétences pour pouvoir tirer sur l'aviation? Ouais, ça fait quand même le taf le T4. Ça abat les avions pas très vite, mais ça les abat. Et du coup, ouais, le Big Dix qui a bientôt le tigre. On nous tire de Stuka. Peut-être. Sur le repli. Non, ça n'a pas eu grand chose. Ça n'a rien eu même, ça a rien touché. C'est
T'es où le tir de Shluka? Ah oui, ok. C'était sur le repli à niveau droite. Ouais, en prévision. Prévision de son repli. Il était un peu trop bas. Le tir était un peu trop bas. Ouais. Donc, Chromel et T34 qui sont tranquilles pour le moment. Simon en profite pour aller reprendre un petit peu le côté gauche. Ils vont essayer de. Ah oui, effectivement. Éventuellement deux tigres dans la partie. Histoire de. Ah, t'es tranquille, t'es mal. Hein. Les forces ennemies sécurisent notre territoire. Et la section de sapeur, attention. Voilà, ça va. Le Cromwell, il est très précis. Hein. Très précis sur l'infanterie, le Cromwell. Impressionnant. Du coup, ouais. Ils ont à peine des caps le fuel qui se le font reprendre. Ils ont toujours les VP en leur désavantage. Et effectivement, comme tu dis, Mikariat, il y a une Gamon. Comme dit Monkey aussi, il y a la Gamon Light. Et il y a aussi la Gamon Cartable. Ah, donc, c'est pour ça là, effectivement. Ouais, ouais. Vu que Gros Matou. Il a pris son assimilation au marteau, il a la gamme. On va essayer de faire des comètes. S'il vous plaît. Et du coup, le Cromwell qui est en réparation à la base, j'ai jamais pris. Les commandants qui vont derrière les Raketon. Et ils vont s'en faire un. Il y a le tigre. La grenade. Peut-être le deuxième. Attention, le Land Matress là, il se prépare pour tirer. Et deux Raketon. Pile au bon moment, ils se font passe niveau 3, ce qui permet d'avoir le fumigène quand ils se replient. Par contre, le Cromwell, je sais pas. Ouais, le loup est dans la bergerie. Je sais pas s'il va réussir à mettre une grenade, au moins pour le casser le moteur. Oh, il a lancé trop tôt, la grenade, ça a pas pu le dégommer. Dommage. Du coup, ouais, le Cromwell qui tombe. Et la T qui. Bah, la T que ça perce toujours. Hein. Mais et là, du coup, il pourra pas l'avoir, ouais. Du côté de Pancho. Et le Stuka qui suit, peut-être pour se faire la T ou pour se dans la base, dans le repli. Ah, le T34 là qui tente un flanc à gauche. Ouais, dans la base. Ouais, dans la base. Ouais, la T qui au T34, est perdu. Ouais, le T34 qui tombe contre. Le tigre de l'as. Notre point de capture. Qui clappe, c'est, très de prendre. Ouais, c'est compliqué, hein. La T qui va être détruite par de Gros Matou, il a plus rien contre les véhicules pratiquement. Les tigres qui sont devant la base. Et... Bon, Simon, il a encore deux T34, hein, c'est plus fini. Au niveau des points, que c'est la galère. Ouais, au niveau des points, ça va être très compliqué. Surtout que là, ils ont pas tant que ça. Au niveau de l'infanterie aussi. Ouais. Ils vont pouvoir se faire harceler avec les chars sans pouvoir avoir plus de rien, il a plus d'AT, il devrait passer du côté de Simon. Surtout qu'il a un tigre devant sa base. Ouais, ça fait replier un petit peu, c'est vrai que les 2-2-34 la T. Faut qu'ils cèdent entre eux parce que vu que Gros Matou n'a plus rien contre les véhicules. Ouais, effectivement. Peut-être qu'il s'est fait détruire. Peut-être économiser pour un comète. Bon, là il ouais, je pense que là il s'est. Ça urge, hein. Exactement, il rush là, je vois Simon qui rush l'étoile pour pouvoir essayer de faire diminuer les baisses des points. Ah mais Simon qui capte. Pancho qui capture aussitôt. Du coup, ouais. Et en plus, ils ont pas d'artillerie. C'est qu'un Katusha là dans le tas, ça aurait pu les aider. Si, il y a pas d'artillerie. Si, il y a le Land Matress quand même. Land Matress, mais il a pas encore tiré. Section de Valsk, section de grenadier qui est mort contre le T34 à côté de la rive. Mais le T34, il y a trop d'anti-char. Il y a pas plus. Ouais. Il y a le tigre qui a one shot une section. La matrice qui s'approche pour pouvoir faire un tir. Une section de pénal. L'ennemi n'a plus que 50 points. Ça a été 34 à mon avis qui est. C'est la fin. Va-t-il avancer? Il avance pour venir le chercher. Ouais, on va dire qu'il y a des caps. Ouais, là ça sent le base rep. Même s'il y a un Firefly en plus.
qui va reculer, il va peut-être dépop le la T. Non, il met le fumigène, il recule. Il prend pas de risque. Ils savent que ils veulent pas le gâcher temps, le leur temps finale, est de leur côté hein. Donc ils veulent le cash prize hein. C'est dans la base. Aïe aïe aïe, les alliés qui sont pas très bien. Peut-être le Firefly pour lutter contre les tigres. Ouais, là ça va être niveau ouais. Étoile, ça va être très très niveau VP, ça va être très compliqué là. Je trop pas à de droite ça. Pour arrêter la capture. Firefly qui va tomber. Ouais, et du coup le tigre qui est dans la base hein. Base rep. Je sais pas s'il va vouloir lancer le. Non, T34. Non, je n'ai pas eu le temps. Je pensais qu'il voulait le RAM. Mais ouais, non. Il voulait le RAM. S'il l'aurait RAM, à mon avis, ça aurait fait mal. Attention, il y a quand même le ZIS. Hein. Le ZIS. Mais bon, c'est fini là, à ce stade de la game. Ouais, les 3 VP. Là, les points défilent trop vite. Et puis il suffit qu'il recule, qu'il répare un petit peu, et puis ils ont tout ce qu'il faut pour tenir niveau masse infanterie. Ouais. Ils ont bien géré l'early game. Bibix qui a été décisif hein, à droite sur son fuel avec une section open, il a énormément de dégâts à Gros Matou, et puis surtout Gros Matou qui a perdu deux sections malencontreusement. En essayant de la sortir au mid et sur une flammeur à droite, ça a marqué. Exactement. Ça a marqué un écart. Bon, en tout cas, bien joué, hein. Bah, eux, du coup, on a les. Une victoire. 3-2 équipes. 3-1. 3-1. Et du coup, c'est fini pour ce BO5. C'est fini pour ce BO5. Et c'est les Montagnards, du coup, avec Pancho et Nubix qui gagnent ce tournoi. Eh oui. GG, well play. D'ailleurs, il y a le Shtuka qui est. Si tu continues à regarder, il y a le Shtuka qui fait une petite pause. Yes. Faire un petit tour dans les stats. Une petite capture d'écran, c'était stylé. Et ouais, niveau des stats, je vais regarder. Mais du coup, ouais, c'était un très beau tournoi. Avant ouais. De la finale. Ouais, BO5 en plus, hein. Donc ça laisse pas mal de suspense, pas mal de parties qui peuvent se passer. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour Gros Matou. Il a perdu. Il a perdu pas mal de sections en mid-game à cause de son petit bug. Et à mon avis, ça fout un coup au moral hein, quand même. Ouais, il c'est était sûr. Plutôt bien. Tu perds deux sections de Tomise comme ça. C'est. Mais après, ouais, effectivement, là, au niveau des sacs de sable, c'est le jeu après. Hein. C'est le risque, effectivement, quand tu les poses. Ouais. Faut faire bien attention ouais, de. Je bouge un peu ma section. Quand je fais surtout les barbelés, les sacs de sable un peu moins, je sais que je peux sauter. Mais là, il y avait un bug du coup. Ouais, c'est le risque quand tu fais quand tu donnes des ordres à la suite et du coup tu fais plus, tu surveilles pas et puis elle se retrouve coincée quoi. Sauf que là pour le coup, ouais, il avait pas encore en cette partie de ce temps de partie, il avait pas encore daté, rien pour pouvoir dégommer ce sac de sable très rapidement. Donc là, c'est. Si il avait un AT, hein, mais c'était trop tard, il était en train de micro-gérer l'AT, il a perdu sa sécurité en droite. Dommage. Et ouais, ils ont eu un temps fort quand même les alliés là quand ils ont récupéré l'MG. Et nos Bibix, il est venu aider son collègue. Donc ouais, très bien joué aux deux teams. Une belle finale.
écoutez, nickel. Alors, on va faire une petite pause et après je vais voir si on continue ou pas. À tout de suite. Moi, je suis disponible s'il faut, mais pour regarder des.